Voilà la bête du jour. Bon, c'est juste un petit peu de condensation là, mais par contre c'est vrai qu'il est encore un petit peu chaud, encore un peu tiède. Il est encore un petit peu. Merci. Merci Marion. Tant qu'il est encore un petit peu chaud, ça c'est le derrière. Il va être un petit peu encore mou. Ça ressemble un peu à la texture du beurre. Et puis après, ça durcit, ça sèche. On voit en haut 25 spectateurs. Je voyais, je me disais, on voit pas, mais si. Vous m'excuserez, c'est mon premier live sur TikTok. J'en fais pas mal sur Facebook et sur Instagram, mais c'est nouveau ici. Alors, le voilà. Et celui-là, on va le tamponner avec un tampon Merci Maîtresse, parce que celui-là, il est fait pour justement les cadeaux de fin d'année. Bah pour les maîtresses, en l'occurrence. Allez, on va mettre un petit coup de couteau. Hop. Ici, on peaufine. Hein. On aime bien les savons qui sont bons pour la peau, mais qui sont aussi... Go pour les yeux. Merci pour vos abonnements et les petits cadeaux. Quelqu'un veut bien m'expliquer d'ailleurs à quoi ça sert. Ça me fait plaisir, mais je suis novice. J'aime bien les roses. Hein? Ah oui, je veux bien. Ouais. Merci de m'assister. Donc là, je l'ai mis dans un grand découpeur pour le découper en 4 grandes barres. Il y a des fils là. Ah oui, puis c'est vrai que celui-là, il fait les bras. Il faut y mettre tout son corps. Heureusement qu'il était encore trop dur. C'est très serré. C'est sur mesure, mais c'est au millimètre. Avez-vous déjà vu la découpe de savon artisanaux? Allez, c'est pas dans ce sens-là en fait que ça se voit. On appelle ça le marbrage. Et puis ça brille parce qu'il y a des paillettes. Il y a des paillettes biodégradables. Il est tranquillou parce qu'il est encore un peu mou. De toute façon, comme celui-là, on le découpe un par un, il va avoir le temps de sécher. Okay. Tiens, vas-y, je te laisse faire, je vais me rincer les mains. Voilà.
faut pas que ça tombe. Et si ça tombe? Comment se porter la poisse? On est toujours là. Et cet après-midi, on sera en live sur Instagram. Hein. C'était ça aujourd'hui. On va pas avancer très vite, je crois. Tampon aujourd'hui, c'est le merci maîtresse. Voilà, on le voit. Ah ben non, on le voit pas à l'envers, puisque justement. Sinon, j'en ai d'autres que j'ai tamponné. Bonne fête maman pour la fête des mères, qui arriveront au mois de mai. Et puis il y en a qui sont tamponnés avec le tampon merci, qui est un petit peu plus neutre pour remercier d'autres personnes. Et donc on va les tamponner un par un, les couper un par un, les ébavurer un par un. Bonne journée à toutes les deux et bon courage. Ben, merci beaucoup. Ça, c'est mon autre petit découpeur pour découper chaque tranche. Avec ça, on va couper les angles du savon pour que ça soit moins pointu sur les côtés quand il sèche. Changer peut-être d'angle pour qu'on voit mieux la découpe. Je vais me pousser un peu pour côté de la place. Hop là, attends, parce que je vais être à contre-jour là. Je vais changer de place, je vais changer de truc parce que ça va faire. On va se prendre les pieds dedans. C'est tout en bac. Je sais pas si on va se mettre devant ou pas. Vous nous excuserez, on s'organise. Ah, quoique le fil en fait il est assez long. Quand on peut aller jusque-là. C'est sans lumière. Oui, ça va être mieux comme ça, je pense. Hein. De toute façon, je vais me décaler. Tu feras gaffe au fil. Ouais. Je vais me décaler un peu pour te laisser plus de place. C'est une petite savonnerie. On se serre. Hop. Allez. On attend de voir ce qu'il a dans le ventre. Attends, parce que du coup, il faut qu'on voit quand même le... Okay. Alors attends, je vais pas me coller trop, sinon on va pas rentrer le truc. Parce que là-dedans, il y a 22 savons. Déjà, tu les ébavures et puis on les tamponnera après, on va les laisser un peu sécher. Mmh. Donc là, le but c'est de couper entre les boules. Là. Tu peux fermer la porte parce qu'on entend le déshumidificateur. Donc la première tranche, en général, pas la plus belle. C'est comme pour les gâteaux.
Tiens, excuse-moi, je veux bien un papier. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, on n'a plus de musique. Mais remarque, vaut mieux parce qu'après, des fois, on est censuré. Quand il y a du son derrière. Hop, voilà. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce que sinon je suis là encore à 19h. Le truc c'est que de toute façon vous les voyez un peu quand même ici. Une corde de guitare. On va essayer d'accélérer un peu. Bien ces petites gouttes là. Alors ça c'est la tranche du côté donc c'est un peu moins effectivement régulier. Et celui-ci s'appelle Mon Ange. C'est un parfum fruits rouges, enfin plus exactement framboise noire. Sur un fond légèrement vanillé, mais très doux. Merci pour les gemmes. Sa queen. Faut que je mette de l'huile. C'est bricolage ici aussi. Bon après j'imagine que forcément les gens qui passent et qui... c'est pas mal. Étant donné que personne me connaît sur TikTok, enfin presque personne, c'est plutôt pas mal. C'est assez désagréable hein, ce queen, non hein. On fait pas dans la ASMR aujourd'hui. Allez, on attaque une barre. Ah, bonjour, vous allez bien? Cela fait combien de temps que vous faites ça? Ah, bah, écoute, merci de t'intéresser. Moi, ça fait pas loin de 10 ans que je fabrique des savons, mais ça fait 3 ans et demi que j'ai ma savonnerie. Et ça va très bien. Ça fait
fait que quelques mois que j'ai ouvert le compte TikTok de la savonnerie, mais j'ai commencé en vrai sur YouTube. J'ai commencé en tant qu'amateur sur YouTube en 2015. Et j'ai ma savonnerie, mais je suis aussi formatrice, donc j'ai des formations pour apprendre à fabriquer. Et un e-book. Alors, ah bah il y a des questions, je vais remonter. Vous êtes d'où? On est des Yvelines en France dans le 78. Il y a des périodes plus dures que d'autres. Oui. Comme pour tout le monde, je pense. Plus dur, je dirais pas dur, plus calme, oui. Bon, faut dire que là, avec la situation actuelle, ça a été un petit peu compliqué, c'est certain. Mais là, au printemps, ça repart bien. Février, ça a été vraiment très très mort, mais comme pour beaucoup de créateurs. Oui, ça fait un moment que je connais votre chaîne YouTube. Ah, cool. Celle de la savonnerie ou celle de Flo Cosmétique? Parce que j'en ai deux. Il y a des savons qui sentent très bon. J'aimerais faire un panier de savon pour mettre dans la chambre. Alors, je sais pas, chambre. J'ai aussi des copeaux de savon. Enfin, il n'y en a pas tout le temps, mais des fois, j'ai des copeaux de savon parfumés pour certaines personnes les utilisent pour mettre justement dans leur placard. Ou dans les petits sachets à savon en cisale. Je sais pas si vous connaissez les sachets à savon en fibre végétale. Et puis on peut mettre ces petits copeaux de savon, ces petites chutes de savon pour en même temps se faire un gommage. Et puis ne pas gâcher en fait les restes. Après j'en ai des non parfumés et j'en ai des parfumés. C'est pour tout dépend ce que vous préférez. Mais moi j'aime bien changer. Des fois j'aime bien l'odeur du savon neutre comme ça, sans parfum. Du coup on va mettre le tampon. Voilà, là, on va attendre un petit peu. Là, Louane est en train de... Tiens, si tu peux m'en passer un, je vais montrer. En train de couper les angles, comme je vous disais. Je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Pour justement qu'il soit plus... Bon, ça finit, en fait, le savon, c'est plus joli. Et puis après, quand on le prend en main comme ça, autant au début, c'est assez mou, mais après, ça sèche, ça devient très, très dur et ça devient très pointu. Donc, les premières prises en main avant qu'ils fondent, en fait, ça fait... Enfin, ça, c'est pas toujours très agréable. Donc, du coup... ça le rend plus esthétique et puis en même temps à la prise en main c'est sympa. Donc celui-là, on le coupe un par un parce qu'il y a des petites boules, mais sinon, j'ai un découpeur, comme vous avez peut-être vu. On découpe 20 tranches à la fois, c'est quand même plus rapide. Heureusement qu'on ne doit pas tous les faire comme ça. En même temps, j'ai commencé comme ça, hein, avant d'avoir du matériel plus élaboré. Parce que tout le matériel est fait à la main également. Par une artisane en France qui me fabrique mes moules, mes découpeurs. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait bientôt 10 ans, mais 3-4 ans en pro. On fait pas que du savon, on fait aussi des cosmétiques. On fait des shampoings solides et des baumes.
travaille aussi sur un nouveau produit dont je ne peux rien dire pour le moment. On fait les tests en ce moment et on a plaisir à être cobaye. Couper la boule, ça arrive. Je vais finir avec un torticolis à force d'être comme ça. Allez, tiens-toi droite. Youpalam. On récupère ces petits copeaux là en fait quand on coupe les angles, et c'est ces petits copeaux là dont je vous parlais. Donc, certaines personnes sont archi fans de certains parfums, et du coup dans les tiroirs à chaussettes ou dans les vêtements, dans les draps, enfin dans les draps, pas dans les draps, dans votre lit, hein, dans votre armoire, ça parfume. Et quand j'entame, là, quand j'ai des entames comme ça, ben je les coupe en quatre et je fais des échantillons, et du coup je les glisse dans les commandes. Je mets des échantillons dans toutes les commandes pour que les personnes, que les clients puissent essayer d'autres produits, d'autres parfums. Ça fait plaisir, et puis autant que ça soit utile. Je vais me décaler. Ok. Comme ça, on va pouvoir pousser la. Toc. Hop là. On va essayer de ne pas la refaire tourner encore une fois. Voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté après. On appelle ça ce marbrage là en fait le drop swirl, parce que chaque technique de marbrage, le marbrage c'est comment on va mélanger les couleurs en fait dans le savon, et ben ça a un petit nom. Le nom de celui qui l'a inventé pour la première fois, logique. Thank you.
c'est bon. Hop. C'est bien, sur cela, on va avoir plein de place pour faire un beau tampon. Mais du coup, on vous montrera un petit peu plus tard parce qu'on va les laisser un petit peu sécher un petit peu pour que le tampon soit bien, bien net. Parce que s'ils sont trop mous, bah du coup, on risque de ruiner le tampon. Et le savon en même temps. Allez, la dernière. Alors, est-ce que je suis suffisamment de place pour enlever le... Faut bien viser là. Super joli de ton côté, c'est cool. Avec la lumière, je vous montre de l'autre côté. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Bon, là on ne les voit pas trop, parce que ça contre-jeu. Quand même sympa. Hop. Allez, je reprends mon poste. Vite sans aucun bruit. Mais en fait je me rends compte, on n'avait pas remis. Je sais pas, mais on a ce que je me disais, il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Je me disais c'est vraiment trop calme quoi, on n'a pas remis la BMC. Bah c'est quand qu'on a fait une vidéo, la semaine, ça fait longtemps. Ouais, mais on l'avait enlevé parce qu'on l'a fait en deux fois la vidéo. Ça, je t'avais dit, à tous les coups, on va oublier. Ouais. Ben voilà, ben écoute, on va s'en remettre. Hein. Et depuis tout à l'heure, je te dis, et en fait, comme il y a toujours du bruit, il y a toujours un truc qui tourne. Enfin voilà, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais là, du coup, comme on a éteint la musique, éteint la vaisselle, pour pas qu'il y ait de bruit. Bah du coup, pour le coup, il n'y a plus de bruit. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on l'a remis, mais... mais bon, comme ça, moi, on n'oubliera pas. Oui, c'est du savon. C'est du savon saponifié à froid,
sur gras. C'est du Made in France et on ne peut pas faire plus à la main. Des pigments naturels et des paillettes biodégradables. Parce que les paillettes en plastique, non merci. Ce matin, on découpe celui-là sur TikTok. Et cet après-midi, on en découpe un autre sur Instagram. Et si ça vous intéresse, je vous montrerai d'autres choses. Petite visite de la savonnerie. Bon, on a vite fait le tour. Hein. C'est pas une villa... avec 12 pièces. On a vite fait le tour, mais bon. C'est cosy. Après, c'est rudimentaire. Hein. On est soumis à la réglementation cosmétique européenne, aux normes d'hygiène et tout et tout. Donc, évidemment, je vais pas mettre des plantes vertes, des perroquets. Voilà. C'est... que ça soit hygiénique. Ah bah merci, 142 personnes, j'ai l'impression que TikTok est en train de d'aimer le savon. Merci beaucoup. Vous arrivez juste à la fin. Il reste les trois dernières. Alors, je vous les montre. C'est bon. Oui, c'est du savon. Allez, on va bientôt avoir plus d'auditeurs que TF1. Alors moi, j'aime partager. Depuis le début que je fais ça, j'aime partager. Donc, j'espère que le partage vous plaît. Hop, je vous montre de l'autre côté. On va peut-être essayer d'en tourner un pour le remontrer quand même. Hop.
Ils m'ont l'air bien tendres encore. Si je le rate, hein, tant pis. Je vais remettre ça de l'autre côté parce que sinon c'est contre-jour. Et le contre-jour est contre-productif. Ah, c'est pas facile d'être artisan, influenceur, youtubeur. On dirait presque des gâteaux, c'est trop beau. Ouais, merci. Alors on m'a dit du fromage autrefois. Et le fromage, c'est plus sur les savons nature. Parce que là, effectivement, des fois on dirait un peu du gruyère, j'avoue. Mais souvent, je fais des savons aussi en forme de cupcake, donc du coup... J'adore la couleur, merci. Bah, c'est mes couleurs préférées. C'est le turquoise et le violet. Et c'est pour ça que dans mon logo, il y a ces couleurs-là. C'est le premier de la gamme que j'ai créé il y a 4 ans. 4-5 ans. Alors, mon laboratoire est dans les Yvelines. Juste à côté de Thoiry, si vous connaissez. À 50 km de Paris. Ouais, c'est un peu moins gentil le fromage, mais moi j'aime bien le fromage, ça va. Non, j'avoue que surtout le fromage sur celui en question, je sais plus c'était lequel. Ah si, c'était le nouveau verveine agrume. Franchement, non. Moi, j'ai jamais vu un fromage vert, rouge et orange, mais bon. Bon allez, j'en tente un tamponnage pour vous montrer. Mais sinon, je pense qu'on va attendre une petite heure parce que... Pour le coup, celui-là, on ne veut pas rater les tampons. Bon là, ça va, mais après... Ah, c'est trop beau. Bon, là, vous allez le voir à l'envers, mais bon. C'est merci, maîtresse. Vos savons sont beaux, merci. Ils sont à quel parfum? Alors j'ai tous les parfums, hein, tu peux aller voir sur mon site. Mais celui-là, c'est framboise noire et vanille. Le décor est sublime, merci. Bravo, c'est magnifique. Alors je crois que j'ai peut-être raté des choses, hein, désolée. Merci, merci. Donnes-tu des formations en ligne? Oui. Oui, tu peux chercher Flow Academy IE sur Google ou un autre moteur de recherche. Flow Academy, c'est ma plateforme de formation. Il n'y a pas le lien en bio parce que j'ai que le lien de la savonnerie là. Je peux pas mettre de lien, mais tu tapes Flow FLEW Academy et tu vas tomber sur moi. Enfin sur moi. Sur mon organisme de formation. Et j'ai un e-book aussi pour ceux qui veulent déjà s'initier sans passer par une formation complète. Pour apprendre à fabriquer vos savons, à faire des recettes, et puis voilà quoi. Bon, je vous avoue qu'il faut quand même un petit peu de pratique pour arriver à faire des marbrages et tout, parce que ça a l'air facile quand on regarde des vidéos, mais bon, c'est un petit peu technique quand même. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Nous, on va ranger, nettoyer, et puis on va faire d'autres petites choses. On a d'autres savons miel à s'occuper à côté. Et puis d'ici une heure, on va finir de tout tamponner. Et puis cet après-midi, si ça vous dit que vous êtes sur Insta, on sera en live sur Instagram, hein, vers 14h je pense. Voilà, voilà. Je vous dis bye bye.